Vous entendez parler de certification à l'accueil. La propreté des lieux, l'embellissement des lieux, ça fait partie de cette norme ISO dans laquelle nous sommes engagés et dans laquelle nous sommes engagés aussi à progresser. Vous avez entendu parler de l'agenda 21. Eh bien, dans l'agenda 21, il n'y a pas que des questions environnementales. Il y a l'accessibilité pour les handicapés, il y a évidemment la réduction des consommations d'énergie, il y a la suppression des réseaux aériens parce que ça contribue à l'embellissement. Donc vous voyez des choses qui viennent s'additionner les unes aux autres pour faire en sorte que cette ville soit toujours plus belle. Ce ne sont pas des mots, les certifications, les labels, ce ne sont pas des mots. Ce sont simplement des démarches dans lesquelles on s'est engagé, qui nous permettent de savoir où nous en sommes par rapport aux autres. Tout à l'heure, Madame Le Sage, je vous disais, la quatrième fleur, il n'y a pas beaucoup de communes. Il y en a moins de deux en moyenne par département, donc ça ne fait pas beaucoup. Et donc, le fait de s'engager dans une démarche comme ça, ça nous permet de nous situer au plan national. Et pour les certifications, c'est la même chose. Mais surtout, ça nous permet d'avoir des marges de progression et surtout de s'engager à faire toujours mieux. Je suis vraiment très heureuse, oui, et honorée, parce que c'est une belle occasion pour vous exprimer de vive voix les félicitations renouvelées du Conseil national des villes et villages fleuris pour les actions que vous menez et qui contribuent à la belle image de la région, mais aussi de notre pays. Et pour le jury national, qui passe tous les 3 ans, c'est toujours une belle découverte et un grand plaisir. D'ailleurs, nous vous avons attribué, en mars dernier, le prix très particulier de l'action éducative et pédagogique pour le Cabanon des Vignes et le Jardin des Oliviers. Cela traduit bien une démarche généreuse et votre attachement à transmettre les valeurs environnementales et patrimoniales. Ce prix, monsieur, est mérité, plus que mérité, que le maintien de la quatrième fleur n'est pas acquis, que l'évaluation comporte une 60aine de critères. La propreté, l'état du bâti en font partie. C'est une véritable feuille de route des politiques d'aménagement et du vivre ensemble. Et vous y veillez, monsieur le maire, et j'ai grand plaisir à vous accompagner dans cette démarche. Dans le département du Var, seulement 2 communes ont 4 fleurs, le plus haut niveau du label, 2 communes seulement. Et dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 8 communes seulement. Et en écoutant Madame Le Sage, vous avez bien perçu que la quatrième fleur, ce n'était pas simplement poser quelques pâquerettes ici ou là. C'était une multitude d'éléments auxquels il faut répondre pour arriver à obtenir et garder cette quatrième fleur avec, pas tous les ans, mais régulièrement, de nouvelles exigences qui nous permettent de progresser. Moi, ça me va tout à fait, puisque nous, c'est la remise en question permanente.